Et donc, salut à tous, les amis, nous allons attaquer Asterix aux Jeux Olympiques. Le nouveau jeu qui a été tiré au sort, le nouveau jeu non, mais qui a été tiré au sort, oui. C'est parti, action dans ce jeu magnifique. À la vidéo précédente, nous en étions à faire pleurer les adversaires qui ont gagné les Jeux Olympiques haut la main. Donc, continuez à les faire pleurer. Bien sûr, le jeu bug pas. Non, toi, tu me casses les... Tu me mets. On ne bute pas avec ton truc. Non, je ne vais pas mourir. Petit problème. Est-ce que par hasard, j'ai... J'arrive. C'est juste les notes qui ne me pas sourire. Bon, c'est pas grave, ça, je fais l'habitude. Fais que prix, si elle a quand même à sourire, on va pouvoir jouer au jeu, ne vous inquiétez pas. C'est lui. On va te fermer pour le jeu, tu seras mignonne. Hop là, eh bien, ça fait un peu de temps que vous m'attendez quand même. Ce serait temps de partir dans l'aventure, non? Casque. Manette. J'ai mis un mode mieux que vous voyez mieux. Donc on va terminer ces Jeux Olympiques et les épreuves là où on en était. Puis on continuera un petit peu par les cibles rouges. Donc il y a encore une vidéo qui durera 40 minutes à peu près. Il est 9h44. Ça fait 6 minutes. Oui. Ça, il faudrait qu'à 10h. Mais quand je vois 40 minutes sur la toute vidéo, j'arrêterai. Bon, il y aura l'affiche et tout ça, donc c'est là. Laisse-moi voir de tout. Je garde chargé, c'est ça. Donc nous en étions dans les statistiques 10% de jeux continuent. Bon, mais ça fera pas tellement de vidéos, je pense, d'Astérix aux Jeux Olympiques. Et on aura quoique si je fais 40 minutes à chaque fois, peut-être 7. 7 pour 60%. Non, ça pique, ça pique. Donc nous avons des pigeons à livrer aussi, tel le vendeur de technique en lui a acheté le fouet, si vous le voulez. Il sert à rattraper les amis plus récemment. Donc le tir à la corde, Astérix. Je pense que vous connaissez le tir à la corde, les amis. La touche indiquée, il faut appuyer à fond la caisse. C'est le grec. Yo, le grec. Ah non, mais oh. Tu commences pas à tirer face à moi, grec. Il tombe dans la boue, c'est bon, le mène à vous. Cet athlète semble avoir plus d'une corde à son arc.
demi-finale. Oh, super. Romain, pas beau. Non, mais oh. Lâche cette corde. Oh, maintenant. Tombe dans la boue, c'est bon, un bain de boue. La 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 la. Eh bien, le doute n'est plus permis. Oui. La délégation gauloise est très en forme. Ils sont nuls, les adversaires. La finale. Oh, mon Dieu. Minus. Alors, je sais pas lequel c'est celui-là. L'Hispanie. Ah oui, oui, il sent lui pour retirer la corde. Non, mais oh, tu dois être minable. Ah oui, il faudra débloquer la porte aussi. La sélection gauloise n'est pas venue pour faire de la figuration, on dirait. On l'a pas beau. Voilà, je gagne la troisième épreuve haut la main dès le début de la vidéo. C'est impeccable. Troisième formule. Le œuf le plus facile. Pendant ce temps-là, Brutus rend une petite visite surprise à Dr Mabus, car il nourrit plus que jamais le dessein de tuer son père César. Brutus est d'une humeur exécrable. Il faut dire que ses dernières tentatives de parricide ont toutes lamentablement échoué et que Dr Mabus n'y est pas étranger. Mais le fils de César tombe sur un Dr Mabus très préoccupé. Brutus, tu tombes bien. Il se passe des choses bizarres. Il faut qu'on parle des portes. Une autre fois, je suis venu chercher du matériel pour zigouiller papa. Qu'est-ce que tu parles, ma gueule? Sans attendre la réponse du sorcier, Brutus repère sur une étagère du laboratoire une matière mystérieuse, gélatineuse, qui produit un goût immense singulier. Ne touchez pas ça! C'est dangereux! Au moindre contact avec la lumière du soleil, ça se met à grossir, et ça bouffe tout! Ça bouffe tout? En couinant? Oui, en couinant. Brutus n'étant pas homme à écouter les conseils, il emporte l'étrange flanc couineur avec lui et s'en retourne à ses complots, laissant Dr Mabus à ses sombres occupations. Intéressant, ça me fiche très intéressant. On va qu'on avance un petit peu dans l'aventure. De l'aventure. C'est pas un jeu lent, donc il faudrait qu'on essaye d'avancer un petit peu. Bon, merde. Bon, allons participer à l'épreuve, mais il ne faut pas oublier Dr Mabus. Non. Les épreuves sont celles que j'ai... La série Bonheur, je pense, c'est celle-là. Donc, on va attendre un petit peu avant de le faire. On va essayer de garder une personne, on va pas bien se transaction. Bonjour. Tu vas parler, toi. Si t'as pas vos exploits, je les consignerai. Et gueule. On a dit pas trop de gros mots, s'il te plaît, merci. Rendez, il faut pas oublier des pigeons. Barade, si en fait finalement on va tout casser. Adieu. Alors là, je te souvenir, je pense que c'était après les étoiles, non? Ouais, c'est ça. Au secours! À l'aide! Tout va! Facultatif, Obélix, regarde ça! Les Romains s'en prennent au charme de la police! On arrive à la police! Oh, on a droit au comité d'accueil, on dirait. Ça te tente une partie de fléchette? Il y a une belle cible là-bas. Volontiers, je commençais à m'ennuyer. Attrapons ces Romains et envoyons-les dedans. Et donc oui, le jeu de pêcher de façon gol. Eh non mais oh, toi. Laisse-moi tranquille. Vous faites Y pour Y. Oh, merci les filles. Du monde. Là tu peux rêver, Pedro. Tu peux vraiment rêver. Oh là oui, là, oh là, je me suis fait un peu de tête. Toi, petit insecte. Merci Nando Obélix. Ouais. Cher toi aussi. Non mais. Oh. Ouais.
le YK, oui, c'est blablabla, et le 40 et le 40. Ah non, raté, pas vu. Ça sert à rien d'ici. C'est horrible. Bravo dans la nouvelle. Ça raté, On va penser à remplir la cible. On va continuer le coup, on va prendre le deuxième 80. Voilà. Ouais! 30 fois 10 dès le début, c'est compliqué de le faire. Non, mais oh! Ça fait pas une gueule, méchant! Non mais oula. T'as pas un peu de monde à côté de toi, non? Il va passer à lui. Vas-y donne, à la fois 2, fois 3, je veux dire. Yes! Non mais ferme la ta gueule. Un peu, non mais oh. Eh, toi, tu viens juste de revenir, tant que j'ai froid, je vais essayer de taper quelques romains pour gagner plus de. Non, mais où donne-moi t'es ici. Bon, comment. Il y a beaucoup de fous dès le début, voilà. Tiens, où lui. Bon. Ouais, t'as la flemme quand je suis dans ce milieu. Non, je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai fait. Oh, Nick. Oh, merde. C'est bon, c'est vite. J'ai loupé le bon, pas beau. Il y a du monde devant. Il y a d'autres trucs à casser avec des pièces ou pas? Oui, il y a quelque chose. Elle est dégueulasse, quoi. Bonne fête, Donne le fois 3, raté, saloperie, merde. J'arrive, non mais oh ta gueule, Ça fait mal pour toi. Dans ta gueule. Pas trop perdre de temps là-dessus. Dégommant. Ouch. Attention, pas beau, genre, ouais. Maman. C'est du ouf. Raté, français. On me fait 10 euros. De malade. Non, mais oh. Pas mignon. Boum. Ah, il a double fois 10. Maman, le verre. Bon, oui. Bravo.
Ça va, tiens, 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 la gueule. Je crois que j'ai mis ça en fait. Je m'amène. On va rater maintenant. Il peut plus. 5 x 3, ah, c'est un x 10 qui s'amène dans la rue, c'est un x 10 qui s'amène, ta gueule. Le panneau de m'amène. Attention, pas de m'amène. C'est pour y faire mal, s'il te plaît. Non, mais oh, pointe pas ton poignard, face à moi. Ton poignard, là, tu me lances. Pas logique, ta gueule. On va essayer. Où t'as un peu le ce mec, ou là, c'est ça. Tu te aussi. Maradada! 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 Ça va, je t'aime! Ça va, ta gueule! Ça va, vol! Ça va, je t'aime! Ouh! Ça va! D'entrée. Oh, le police. Merci. Et voir à toi. Hein? Pas trop perdre de temps là-dessus. N'aie pas peur. Ce n'est pas très sport ce que tu fais, Romain. Et ta sœur, elle est sport. Eh bien, ma foi. Coup de boule, joli. Saleté de Romaine. Saleté de Romaine. Astérix, qu'est-ce qu'ils font ces grèves ? Ils sonneraient l'Obélix. Oh, mais c'est important l'entraînement. C'est plus qu'important. C'est capital. Limite décisif. Voyons voir. Non. 129 romains. De 2 petits romains, c'est. De 4 petits romains, c'est passé 129. C'est pas mal ça. On va faire vite fait les cristaux. Vite fait, dis-moi. Ah, toute ta tisse. J'ai encore monté ça à l'envers. Merde alors, mais c'est alors de dire. Ben oui, celui-là c'est là. Oh. On va sauvegarder les amis, au cas où comme ça on perd pas notre sauvegarde. Bonjour. Ne me faire pas vos exploits, je les consignerai. Oui, c'est claqué là-bas. Ouais. Donc, il y a droit à décaisser tout ça. Je vais pas m'en occuper parce que là, à vrai dire, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. C'est pas trop le temps de m'en occuper.
le miroir dans la bonne direction. Bon, cinématique. Ciné ou cinéma. Tu fais une de ces chaleurs dans ce patelin? Tu l'as dit, Barbecus! Et le pire, c'est qu'on est obligé de rester là, en faction! C'est mal fichu, hein! Il suffit d'orienter le miroir dans la bonne direction. On y est presque, Obélix. Plus qu'un tambour et la porte s'ouvre. Allez, l'autre flambeau d'or se retrouve là-bas. On va y aller. Est-ce que j'ai oublié? Pison. Viens voir papa, pison. Non? S'il n'y a pas un pion qui se trouve par là, je ne me rappelle plus trop où ils sont. Je sais pas qu'ils sont là, mais c'est pas là. What? Je sais pas si c'est une vidéo comme ça. C'est en fait la romanophonie. La romane en couleur pour une bonne musique. Oui, t'as plus bleu. Et là, je suis bleu, il m'a paniqué vert. T'as peur rouge, vas-y, fais-toi plaisir. Le vert, le petit vert qui est tout mignon. Pété. Bon, vous voyez, mec, on va se calmer. Vol doublement. Jaune, allez, Pogo, jaune, voilà. Je crois que moi, il a laissé une... Putain, voilà. Un petit bleu. Bleu. Non, pas le bleu. Toi. Ouais. 28 minutes de vidéo, il est... 10h05. Punaise, je peux pas tirer dans ce... Mim.
sa sortie. Là, normalement, on aura des doubles de plusieurs supplémentaires. Là, 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 où est-ce ? Je vais récupérer un autre bouclier. Ça fait un peu de vie supplémentaire. Je vais récupérer en même temps, c'est impeccable. Ah, les derniers cristaux. Oui, oui, yes, yes, yes. Hop là. Donc la porte va s'ouvrir et on a 10 minutes à peu près pour aller jusqu'au fameux terrier de docteur Medius. Go, 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 go. Hop là, il y a un petit cercle, on va aller casser les petits cercles. Ça, je vais mettre un peu plus dessous. Voilà. Allez, nous arrivons à une autre sauvegarde. Nous sommes bien, Là, on rencontrera donc le fameux certain que je vous ai parlé. Je crois qu'on est arrivé à 20% du jeu. Ça, c'est pas mal. Quel doux Vélissan, venez bien moi même méchant, viens goûter à ta punition, attends, l'autre a voulu m'attaquer, ouh vas-y Obélix, tu voulais affronter Obélix, comment, mais va l'affronter, oh t'es nouveau là-bas, ah, le pouvoir a été niqué,
C'est ceux avec le bouclier sont des nouveaux, les amis. On va prendre ça là. Ça jouerait le plus de foot. Un salaud. Côté à votre punition. Bédou. Romain défensif de. Oui, tu sais, dans ta gueule. Ah oui, pas beau, c'est mal. Mais il s'en fait. Il a oublié ça. Non, ta gueule. Maman. Non, je dégomme, non, pas beau. Ta gueule, pas doux, je me dis. Méchant. Vas-y, on dégomme. Oh putain. Pas beau, ta gueule, pas beau, ta gueule. Pas beau, pas beau. Pas beau, ta gueule, pas beau, pas beau. Aïe, pénible. Ou bum. Voilà, nickel Odéon. Nicolet, nickel, nickel, nickel. Massacre. Cinématique. Alors, ce temps, cinématique. Au palais de Saragas, Brutus se livre à une nouvelle tentative de meurtre sur la personne de son père. Son plan est simple, lui servir lui-même le petit déjeuner au lit, avec en mets principal l'inquiétant flambicouine de Dr. Mabuse. Dans 5 minutes, on se quitte. Donc, je pense qu'on arrivera quand même à notre réception. Quel comique. On a dégommé les méchants. Avec des nouveaux romains, les romains défensifs. Et regardez les amis, les fameux cyprès. Donc on va faire le chapitre des cyprès dans cette vidéo. Et puis, on rentrera dans l'antre de Dr. Mabuse. Et on se restera là les amis. Bon, c'est belle pique. Sympastice. Je pense que la baston nous a donné pas mal de sous. Ah oui, en effet. On arrive à 10 000 réincarnés dans deux vidéos. C'est pas mal. Donc, je pense qu'on arrivera à 10 000 réincarnés dans deux vidéos. Parce que je connais pas. Des codes pas mal pour gagner des sous. Badada. C'est pas ça qui donnait de la vie. Enfin, oh, bonjour monsieur. Monsieur veut me donner sous. Monsieur veut me donner sous. C'est ça. Mais vous allez voir quelque chose de marrant. C'est un roman. Je pense. Mais bon, je perdrai pas mal de sous parce que j'ai acheté deux trucs avant de faire le combat d'arrivée. Yes, ah oui. La flamme est... Non, la flamme, elle peut pas mal de sous. Mais c'est le marteau filant que j'ai acheté. Qui coûte pas mal. Pas mal, 500 pièces déjà, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Je pense qu'on aura qu'un. Même une idée à pas avoir acheté. Des méchants. Donc il y a pas mal de choses à récupérer avant regarde d'entrer. Obélix, les trois cyprès rouges, on approche du but, mon vieux. Ils n'ont jamais été cyprès, ces cyprès. Ou des jaunes. Ouh, des plus noirs là-bas aussi, c'est des méchants, pas bon. Tiens, encore un machin qui fait de la musique. Oh, on va leur rejouer un petit concerto en bas. Alors c'est Romain, vous les rencontrez surtout qu'avec les boîtes comme ça. Franchement les amis. Hein. Parce que là, on aura des romains bleus dans les autres jeux, il fallait faire. Ta gueule, merde, c'est un rouge. Ouais si c'est... Au camp, il me faut un vert. Oui, un petit pavot. Oui, brasser. Le fait de Dieu. Ça c'est une caisse. C'est une pavot, ta gueule. Ah merde, t'es doux, t'es fait. Je ne pas touché, je ne suis pas touché. Aïe, pas beau ta gueule. Père de terre, je t'ai. Ah oui. Il pas beau, il n'est pas beau. Et dis-moi, Obélix, quand tu auras frappé tous les Romains, il y aura un jeu. Deux. Frappe-moi. Aïe, salope. Et merci. Merci pour l'avancée sur le boulot. Ça n'est pas beau, je vais te passer. Non, Obélix, arrête de les frapper. Oh, aïe, méchant. Toi. De, bah, de,
Une vraie lettre en bande de petites lettres. Oh, le patron a fait une apparition. Oh non, regarde, il reste une petite note là-bas. À l'aide, les Gaulois, ils sont là. Couille entre les gens. Bon, c'est tout seul. Surtout que t'as oublié que s'il rentre en premier, on ne peut pas fuir. Ouais, maman. Maman des sauvages. Je vais casser cette porte. Balade. Fermé. Ça va être lui qui va nous faire chier tout le long de l'antre, quasiment. Donc, c'est super, c'est impeccable. Mais quand je rencontrerai ce mec, je foutrai une de ses claques. Oh, super. Yémande. Le crapaud. Oui, oui. Je vais venir, c'est le crapaud. Il faut les faire. Bande de jaloux, maman, allez, raconte pas. Tu veux vraiment qu'on rigole tous les deux? On va rigoler, maman, mais voilà, bon, maman, on va le foyer, maman, joli Urbix, voilà, non, ça c'est tout. Vous avez dit qu'on arrivera à 10 000 avant la fin de la vidéo, on arrive à 10 000. Oui, 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 tout à fait, Urbix, c'est par là-bas qu'il faut aller. Une minute, mon cher ami. Voilà, je récupère ça. Donc, deuxième bout, ça c'est pour tenir le Romain, je crois. Je me souviens plus de rien du tout. De rien. Ah, il y a un bouclier là, mais ce bouclier on le récupérera plus tard, car je sais comment il faut faire. Ah, il est maintenant. On va se dépêcher. On ira casser ce que je pense plus tard. On va aller faire ce que Yifit nous dit. Et il y en a une demi-sur nu. Oui, tu pourras t'amuser le temps que je suis pas là. Ça va être très très chaud. Non, non. Raté. Aïe, fils de pute. Excusez-moi de dire aïe, pas beau, ta gueule. Mais punaise de punaise de punaise de merde. Aïe, je sors dedans aussi. Et comment ils font pour passer à côté si on est pas. Là, je vais me le prendre, là, non. Aïe, où me voler. Aïe, ouh. Quel coup de bol. Aïe, il y a même des pigeons là. Alors il doit y avoir d'autres pigeons là-bas. Arrête de me montrer ça. C'est qu'est-ce que c'est le crapaud bol. Donc... Non oui bon c'est ce qui nous intéresse le plus en personne, hein, c'est super. Et il y a des pigeons et un bouclier là-bas. On récupérera. Oh non va ici. Le tech des méchants, méchants. Oh quel poteau rentrant. Quel pénible ce Romain. C'est quoi on va l'envoyer. À la tête! Le pestec! Maman! Maratata! Boum! Bah! Meurs, tu fais plus de problème, non? Non, raté, papa! Tu m'as pas eu, papa! Ah, je t'ai eu, papa! Maman, prends ça! Volé! J'arrive, c'est le père! Si vous corrigolez tous les deux! Du coup, t'es parti, papa! Papa! T'es parti, vous salaud! Ah, il est là! Méchant derrière! Boum! Maratata! De chaussures, ça coûte combien ça en fait? 5 je crois. Si donne des souvenirs, je crois que c'est 5. Hein. Oh le tir, c'est pas de Romain, c'est la fiche. Mille. Quel magnifique tir du joueur Obélix. Eh oui, ok. La passe à Astérix. Attends, boum. Oh, il vient de nous redescendre en main. Oh, les cons. Oh, quelle bande de couillons de la lune. Ah non, il reste planté là. Il reste planté là, dans ce qu'ils vont se prendre du bœuf. Mais non. Aïe, c'est le bord qui m'énerve. Non, il va nous. Porte bien leur nom de défenseur, c'est con. Boum. Baradada bouboubouba bouboubibibi baradada. C'est doux bon. Oups. J'ai pas oublié les 80. Ben non. La passe Obélix. Oui, yes. Jolie passe. Mister Astérix.
fait 44 minutes de vidéo. Ouais, elle dure pas tellement longtemps parce qu'il y a ça à faire. En cassant quelques petits trucs, on récupérera un bouclier et quelques pigeons. Et ça sera bon. Je pense qu'il y a rien d'autre à récupérer. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais récupérer là. Bonjour du monde, bonjour du monde. Oh, quel tir! Après, on rentre directement à l'entrée de Dr. Mabuse. Donc, il faut te dégager. Toi, tu vas redégager. Comme ton copain, éventuellement. Juste attendre que Obélix termine cette petite partie de Romain. Vas-y, petit. Mmh. Mmh. Ah, poteau, poteau, poteau. Oh. Oh. Cardinal. Mmh. Oh, punaise, qu'elle le passe. Une fille en plus. Les deux cibles vont être pleines. Donc on pourra récupérer tous les cibles, je pense. Je pense pas qu'il y ait des Romains qui sont venus, parce qu'ils sont tellement rapides, les Romains pour venir, c'est énorme. Bon, on traite tout, ouais. Tout à l'heure. Ouais. Parfait, Astérix. On en a fini avec ces deux cibles. Ouverture des portes, magistral. J'arrive au Nobelix. Wouh! J'arrive, ne bouge pas. Allez, on casse tous les amis et on va donc se quitter. Et on massacrera donc la prochaine vidéo. Donc on m'a vu sans son nom. Ah, mais ça fait du bien de récupérer de la vie. Ah, par contre, on va délivrer nos amis, les petits puissants. On va prendre un peu de fou. Amis puissants. Délivrez-vous. C'est impeccable, mais délivrez-vous. Alors pourquoi je débloque rien? Parce que j'ai déjà tout débloqué dans mon ancien cas. Sinon là j'aurais débloqué pas mal de personnages déjà dès le début du jeu. Non, on va pas perdre du temps, oui. Ton idée n'est pas mauvaise, mais on va pas perdre de temps. J'ai peur d'avoir oublié des pigeons moi. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas la passion. Pas de Romain qui nous arrête, ça c'est dire ah t'as une vie. On en aura besoin plus pour la suite je pense. C'est vraiment étrange comme tu veux sortir des gens. Et faut qu'ils les mettent là pour les conserver. Yop là j'ai dit. Donc on passe à une nouvelle étape les amis, mais de toute façon on va se quitter là. À l'entre de Dr. Mabius. Ouais, on va se quitter là. Gaulois! Pardon, c'est moi qui suis seul. Des méchants de tous les côtés. Hop là. Rendez-moi ce pénible, hop là. Ouais. Oh, super. Impeccable. Ça se voit que c'est pas toi qui va pour se faire télégommer, salaud, boum. Il a tout cassé. Veux-tu sauvegarder? Ouais. On perd pas notre progression. Eh ben la prochaine fois ça sera contre des Romains là-bas. Petit Romain, petit pas beau. Donc je vais vous laisser là avec Astérix et Obélix les amis. Attendez un petit peu avant de se quitter. Attendez quand même, la première vidéo, j'ai pas pu mettre de la musique et tout ça. Je vais mettre un petit peu de musique. Et en même temps, mon affiche. Amen. Donc, écran. Regardez comment je suis un magicien. Veux-tu bien t'éteindre? Oh oui, il s'est éteint. C'est merveilleux. Et donc, je vais commencer à lancer. Non, pas ça. Pas ça. La musique, oui.
Et donc, les amis, à une prochaine fois dans l'antre de Dr Mabuse. Une prochaine fois.